Courbons la tête pour la prière avant de rentrer dans le message de ce matin. Éternel, Père, notre Dieu, merci infiniment pour cet autre sabbat que tu nous accordes. Merci pour les enseignements de ta parole et ton amour envers nous. Alors que nous allons étudier ta parole ce matin, Seigneur, que ton esprit nous guide et que nous puissions bien comprendre, Seigneur, les enseignements que tu nous donnes pour notre bien. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ok. Si on pose la question aux gens, où étiez-vous le 11 septembre 2001? Probablement tous ceux qui peuvent répondre sont un peu vieux. Mais on se rappelle que le 11 septembre 2001, il y a eu cet événement à New York avec la destruction des tours jumelles de World Trade Center. Une tour a été frappée en premier, mais ce n'est pas celle qui a été frappée en premier qui est tombée, c'est celle qui a été frappée en deuxième qui est tombée en premier. Et ce symbole de l'économie américaine, ce symbole de la puissance américaine s'est écroulé en l'espace de quelques minutes, rappelant à la nation et à la terre entière la menace aujourd'hui qu'il peut y avoir contre les États-Unis d'Amérique. De la même manière que ces deux tours jumelles représentant la puissance de ce pays se sont écroulées, ce matin je vais vous parler de deux institutions divines que Dieu a données comme étant des tours de forteresse pour le bien de l'humanité et qui sont sous l'attaque de l'ennemi. L'une est déjà tombée et l'autre va tomber bientôt. Alors nous allons voir ça ce matin ensemble alors que nous passons dans ce message. Dans Genèse chapitre 1 et le verset 26, nous sommes au sixième jour de la création. Il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » Verset 28, « Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Il a ressuscité et dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici, nous avons la première institution divine pendant la création. Le sixième jour, Dieu a créé le mariage entre un homme et une femme, n'est-ce pas? On voit ici le mandat d'aller, de multiplier, d'être fécond et de remplir la terre. Voici la première institution, voici le premier pilier que Dieu donne à l'humanité. On poursuit. En lisant ici, toujours sur la même institution, qui était aussi notre verset de méditation, c'est écrit au verset 21 et 24 de Genèse 2. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. » Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. » Alors, la question qu'on se pose ici, qui est-ce qui parle? C'est qui parle à la fin des versets là? Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle? Et l'homme dit, « Voici... » cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Qui est-ce qui parle? C'est Adam, ok. Et on appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu qui parle. Donc, au début, c'est Adam qui parle. Donc, c'est un peu comme le vœu qu'il donne à Ève juste avant le mariage. Et ensuite, au verset 24, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est vraiment le sermon de bénédiction que Dieu donne sur son institution. Donc, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mariage uni entre un homme et une femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a scellé cette institution à ce moment-là. C'est Dieu qui performe le premier mariage. Ok. Ensuite, le jour 7.
Genèse 2, versets 1 à 3, c'est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc quelle est la deuxième institution que Dieu fait à la création? C'est le sabbat, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que l'expression « septième jour » est mentionnée dans les versets qu'on a lus ici? Combien de fois? Trois fois, n'est-ce pas? Donc, trois versets, trois fois. Au septième jour, sur posa de son œuvre, au septième jour, encore une fois dans le verset 2, puis le septième jour, encore une fois dans le verset 3. Trois fois, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu fait pendant qu'il crée le septième jour, si on peut parler ainsi? On mentionne trois fois le septième jour et Dieu fait trois choses. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se repose. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il bénit le septième jour. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il sanctifie le septième jour. Donc, on mentionne trois fois, comme on avait lu tantôt, Saint, 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 l'Éternel. À chaque fois qu'on mentionne trois fois, ça fait référence à la Trinité, plénitude de Dieu. Et on mentionne que Dieu fait trois choses. Et lorsqu'il donne la loi à Moïse, dans Exode chapitre 20, sur le commandement sur le sabbat, versets 8 à 11, dans le verset 11, c'est écrit « Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et il s'est reposé le septième jour. » C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc les trois termes reviennent ici dans Exode chapitre 20. Dieu scelle la deuxième institution du sabbat. Première institution, le mariage, Dieu prononce les vœux. Deuxième institution, le sabbat, et Dieu scelle avec ces trois choses. Ok. Donc, le mariage et le sabbat sont les deux institutions jumelles créées quasiment en même temps, n'est-ce pas? Le mariage venant en premier, que nous avons hérité du jardin d'Éden. Donc, malgré le fait que nous ne sommes plus en Éden et que le péché est entré dans le monde, il y a toujours des mariages et il faut toujours garder le sabbat. Ce n'est pas quelque chose qui a changé. Nous avons hérité ces choses du jardin d'Éden. Il n'y a pas d'origine païenne au mariage. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. Il n'y a pas d'origine païenne au sabbat. C'est Dieu qui est à l'origine du sabbat. Amen. Donc, le mariage, sixième jour. Et le septième jour, nous avons la création. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre dans les institutions jumelles instaurées par Dieu, c'est que le sabbat et le mariage sont interreliés. Si on s'attaque au mariage, on s'attaque automatiquement au sabbat. Pourquoi? C'est parce que souvent on oublie ça, mais dans le mariage, Dieu voulait donner un repos. Adam et Ève ont été mariés le sixième jour. Donc la lune de miel, c'était quel jour? C'était le sabbat. Donc on se marie et on tombe dans le repos. C'est ça que Dieu veut, n'est-ce pas? Le mariage, et ensuite, on tombe dans le repos. Donc, quand on dit « Travaille six jours et tu feras tout ton ouvrage », ces six jours, on est censé se sanctifier, on est censé marcher dans les voies de Dieu, et le septième jour, on tombe dans le repos. Et maintenant, si on s'attaque au mariage, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus une vie de sanctification pendant six jours, à ce moment-là, le repos du septième jour n'a plus aucun sens. C'est pour ça que les deux sont intimement reliés. Ok. Alors, dans la Bible, ces thèmes reviennent de manière récurrente, et je vous donne des exemples ici. Dans le livre de Néhémie, par exemple, Néhémie, en voulant restaurer les choses qui ont été brisées dans son pays, il doit notamment s'attaquer à la question du mariage et du sabbat. Donc, dans la fin du livre de Néhémie, au chapitre 13, on voit qu'il y a un problème avec le sabbat. Les gens font du commerce, les gens viennent autour de la ville et proposent de vendre des choses aux Israélites dans Jérusalem. Et il dit que c'est inadmissible, il faut retourner, il faut adorer le sabbat comme Dieu l'a demandé. Et dans le même chapitre, il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans le peuple qui ont épousé des femmes étrangères, qui ont violé le commandement que Dieu avait donné de ne pas épouser des femmes étrangères, et il veut restaurer le mariage. Donc dans son effort de restaurer Jérusalem, il doit régler la question du mariage et la question du sabbat. Ces deux choses reviennent. Jésus lui-même, dans son ministère, on lui a posé plein de questions, toutes sortes de questions. Mais les deux questions sur lesquelles on l'a le plus dérangé, c'est sur la question du mariage et la question du sabbat. Toujours ces deux thèmes reviennent le plus. Alors là, je donne des exemples. Dans Matthieu 19, versets 3 et 5, c'est écrit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?
répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc il répète Genèse 2, 24 que nous avons lu tantôt. Donc Jésus est en train de répondre sur la question du mariage. Et on pourrait donner d'autres exemples, mais c'est juste pour en donner un. Ensuite, toujours par rapport à Jésus, mais cette fois sur le sabbat, dans Marc 2, verset 24 et les versets 27 à 28, c'est écrit, les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Plusieurs fois, on l'a accusé de ne pas tenir le sabbat, de guérir les gens pendant le sabbat, etc. La question revenait systématiquement. Ok. Maintenant, allons un peu dans l'actualité, puis après on va revenir dans la Bible. Satan ayant compris que ces deux institutions sont intimement liées, sachant qu'en s'attaquant à l'une, il va attaquer l'autre, voici ce qui se passe dans notre monde. Il y a une chute du modèle biblique concernant le mariage. Le 17 mai 2004, l'État du Massachusetts aux États-Unis, c'est le premier État américain qui a légalisé le mariage entre personnes de même sexe. En 2004. C'était la première tentative, si on veut. Mais vous et moi savons que ça ne s'est pas arrêté là. 11 ans plus tard, maintenant, le 26 juin 2015, ce n'est plus un seul État, mais c'est la Cour suprême des États-Unis qui légalise le mariage homosexuel. Donc ça devient quelque chose à l'échelle de tout le pays. Et ce n'est plus juste un seul État. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième institution, le dimanche, la loi du dimanche, la loi du dimanche n'est pas encore là. Mais pour ceux d'entre vous qui peut-être avaient oublié cet événement, ou n'étaient pas au courant de cet événement, il y a ce qu'on appelle le Blair Bill, ou la loi du dimanche qui a essayé de passer en 1888. Et voici ce que Henry William Blair a fait, un sénateur américain. Il a déposé un projet de loi pour une loi de dimanche au Congrès américain. Et le projet de loi, ça disait ceci, c'est un projet de loi visant à assurer au peuple la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur, en tant que jour de repos et à promouvoir son observance en tant que jour de culte religieux. Donc il a emmené ça devant le Congrès, ça a failli passer, mais par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, il y a eu un adventiste, Alonzo T. Jones, qui est allé, qui était un brillant avocat, il est allé devant le Congrès, il a défendu, il a montré pourquoi est-ce que cette loi est anticonstitutionnelle et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas émettre de loi qui viole le premier amendement américain, c'est-à-dire aucune loi ne doit forcer un culte religieux ou interdire n'importe quel culte religieux. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas passé. Mais ça a failli passer en 1888. Ok? Retenez ça parce qu'après on va faire des parallèles. Ok. Plus récemment, il y a une autre sénatrice qui a essayé de faire la même chose. On est en 2015. La sénatrice républicaine de l'Arizona, Sylvia Allen, elle a suggéré aux Américains qu'on fasse passer une loi pour que les gens aient obligatoirement le dimanche dans l'église de leur choix. Alors qu'il y avait le débat qui était très chaud par rapport aux armes à feu, elle dit, voici ma suggestion, forçons tout le monde à aller à l'église le dimanche, alors qu'on discute du thème des armes à feu, mais laissons les gens choisir l'église où ils veulent aller. Bon, 2015, novembre 2019, ce n'est pas passé, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en branle pour qu'on arrive là? Parce que les deux décisions vont ensemble. La première est déjà tombée là, 2015. Donc celle qui suit automatiquement, c'est la loi du dimanche. Maintenant qu'est-ce qui se trame pour qu'on en arrive là? Alors, on pourra en parler toute la matinée, mais je vais donner des exemples de ce matin. Prochaine diapo. Ok. Ça c'est la lettre encyclique du pape François. Donc le titre, c'est quoi une lettre encyclique? C'est un document émis par l'Église catholique. Vous pouvez le trouver sur le site du Vatican. C'est public, c'est pas quelque chose où il faut faire des recherches de fou pour tomber là-dessus. Vous allez juste sur le site du Vatican et ils émettent toutes leurs objectifs d'enfant. Et là-dedans, celui qui est sorti en 2015,
C'est du Saint-Père François, et c'est dit sur la sauvegarde de la maison commune. Qu'est-ce qu'ils appellent la maison commune ? C'est la Terre, notre planète. Et tout l'objectif de cette encyclique, c'est de montrer comment est-ce qu'il faut préserver la Terre pour ne pas qu'elle se détruise alors que nous sommes victimes des changements climatiques. Donc maintenant, le moyen qui est utilisé pour arriver à la l'heure du dimanche, c'est le changement climatique. Faisons quelque chose pour empêcher la Terre de s'auto-détruire par l'activité humaine. Alors, comment est-ce qu'ils font ça concrètement? Alors là, j'ai mis juste un point. Un des points de cette encyclique, le 237, ça dit clairement le dimanche doit être observé comme jour de repos. Donc là, il ne se cache même pas. Là, ça, c'est le point numéro 237 de cette encyclique. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler, il y a un mouvement actuel qui s'appelle du Green New Deal. Quand il y a eu les dépressions aux États-Unis dans les années 20, il y a eu un effort pour résoudre ce problème qui sont appelés le New Deal. Donc ça a sorti les États-Unis d'une crise terrible. Aujourd'hui, ils pensent qu'il y a une autre crise, mais qu'il faut la résoudre avec le Green New Deal. Donc un New Deal, mais vert. Pourquoi vert ? Pro-environnement. Et voici ce qu'ils disent, le Green New Deal commence par une mobilisation du type de la Seconde Guerre mondiale pour s'attaquer à la grave menace posée par le changement climatique, faisant passer notre pays à une énergie 100% propre d'ici 2030. L'énergie propre n'inclut pas le gaz naturel, la biomasse, la nucléaire ou le soi-disant charbon propre. Donc, y a un mouvement pour défendre la planète sous ce nom New Green Deal. Mais ce qui est vraiment derrière là, c'est d'arriver à un jour de repos pour donner chaque septième jour une journée de repos à la Terre pour qu'on pollue moins. C'est vraiment ça l'objectif qui est derrière. Et voici un autre exemple. Ça, ce sont l'association des professeurs du Massachusetts. Ils sont en train de discuter en ce moment. Donc là, on parlait du 4 mai 2019. Ils veulent faire une grève nationale. Tous les professeurs aux États-Unis font une grève pour le New Green Deal, pour qu'on mette cela vraiment en application. Ils sont en train de discuter ça en ce moment au sport. En 2015, si on retourne un peu, il y a eu un événement historique. Le pape s'est adressé au Congrès américain. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis que les États-Unis d'Amérique existent. Où le pape vient et s'adresse au Congrès américain et il leur a présenté le plan pour la planète à ce moment-là. Et le lendemain de ce meeting, il est allé s'adresser à l'ONU et il a présenté le même plan. Cette fois à l'ONU, donc les représentations des nations. Apocalypse 13, verset 3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ok. Daniel 7, 25 dit que cette bête essaierait de changer les temps et la loi, n'est-ce pas? On sait que le seul commandement qui fait référence au temps et à la loi, c'est celui du sabbat. Donc il y a un objectif pour aller vers le sabbat. Donc voici en résumé. D'un côté, il y a Dieu qui instaure le mariage et le sabbat. Et il y a le mariage en personne de même sexe qui vient pour être le faux mariage. Et la loi du dimanche qui vient pour être le faux sabbat. Pour le mariage gay, c'est passé de 2004 à 2015, donc à peu près 11 ans. Pour la loi du dimanche, je ne sais pas combien de temps, seulement Dieu sait, mais on sait que c'est la prochaine. Ok. Alors, juste avant de lire le prochain verset, je vais vous montrer un parallèle dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, c'est l'histoire de Judas et de Tamar. Dans Genèse chapitre 38, on dit que ça commence en disant que Judas s'est éloigné de ses frères. Judas s'est éloigné de ses frères. Il est allé prendre une femme, païenne. Il a eu trois enfants. Il y a un premier enfant qui s'appelle Er, un deuxième enfant qui s'appelle Onan, et un troisième enfant qui s'appelle Shéla. Pour son premier fils Er, il a trouvé une femme du nom de Tamar. Mais Er était méchant. La Bible dit que Er était méchant aux yeux de l'Éternel, donc Dieu le fit mourir. Alors, dans la coutume, il faut qu'elle épouse le frère. Donc Tamar est devenue la femme de Onan. Mais Onan aussi était méchant, il la faisait exprès de ne pas lui donner de postérité. Donc à chaque fois qu'il allait vers elle, la Bible disait qu'il s'arrangeait pour ne pas lui donner de semences pour qu'elle n'ait pas d'enfant.
Dieu trouvait que ça aussi c'était très méchant et il l'a lui aussi fait mourir. Donc maintenant il restait Shéla, le plus petit. Alors Judas a dit à Tamar, Shéla est encore trop jeune pour que je te donne Shéla comme mari. Donc attends que Shéla grandisse et quand il sera grand, je te le donnerai comme mari. Et elle a attendu que Shéla grandisse. Mais Judas n'a jamais honoré sa parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Il dit ça. Mes deux fils sont morts entre ses mains. Pourquoi je lui donnerais mon troisième? La Bible ne précise pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il n'a jamais honoré sa parole. Donc Shéla n'a jamais été donnée comme mari à Tamar. Et Tamar, voyant cela, elle a décidé de prendre les choses en main, bien sûr, de la mauvaise façon. Elle s'est déguisée en prostituée. Et elle a attendu Judas sur un chemin. Et Judas, ne reconnaissant pas Tamar, la femme avec qui il a eu ses trois fils était décédée, il a voulu aller vers cette prostituée. Mais juste avant qu'ils tombent dans leur intimité, Tamar, déguisée en prostituée, lui a dit « Il faut que tu me donnes quelque chose en gage. Donne-moi le seau que tu as en main, donne-moi les cordons, et donne-moi le bâton, la verge que tu as en main. Donne-moi ces trois choses. » Et puis... il devait aller chercher à débrouiller quelque chose et puis revenir. Alors, il va vers la prostituée, qui est Tamar, et lorsqu'il s'en va pour revenir la retrouver, elle a disparu. Et elle demande aux gens, où est la prostituée qui était ici? Puis les gens disent, mais il n'y a pas de prostituée ici, dans ce pays, il n'y en a pas. Il dit, ok. Quelque temps plus tard, on lui fait dire que Tamar, donc la veuve de tes fils, est enceinte. Et là, Judas est furieux, parce que c'est la honte pour la famille. Et il dit qu'on l'emmène et qu'elle soit brûlée. Qu'elle soit brûlée. Juste avant qu'on la brûle, Tamar dit « S'il vous plaît, allez montrer ça à Judas. Allez montrer ce seau, ce cordon et ce bâton. L'homme à qui appartiennent ces trois choses, c'est de lui que je suis enceinte. » Donc on va présenter ça à Judas. Et là, il a honte. Bien sûr, parce qu'il reconnaît ses objets, et dit, elle est plus juste que moi. Donc, ne la brûlez pas. Et Tamar est enceinte de jumeaux, et elle enfante Phares et Zara. Et lorsque Phares et Zara naissent, la Bible nous dit, quand on lit la généalogie de Jésus-Christ, on voit que Phares est dans la lignée de Jésus-Christ. Donc Judas engendra Phares de Tamar, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aminadab, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Donc la lignée de Jésus-Christ passe par Phares. Ok, maintenant qu'on a ce background en tête, maintenant lisons les versets. Genèse chapitre 38, versets 27 à 28. Quand elle fut au moment d'accoucher, donc si on parle de Tamar, hein, voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Il y avait quoi dans son ventre? C'est quoi le titre du message ce matin? Insertion jumelle. Donc j'espère que vous êtes en train de réfléchir avec moi. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Le premier, ok. Dans la Bible, le cramoisi, ça représente quoi? Le péché. Le péché. Hein? Les péchés sont rouges comme le cramoisi, ok. Donc, elle va accoucher de jumeaux, et il y en a un qui sort la main, et là, elle attache le fil, il pense que c'est lui qui va sortir en premier, mais il rentre sa main, et c'est l'autre qui sort. Ok? Verset 29 et 30. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérès. Donc, tu as forcé. Pérès, ça veut dire forcé, parce que c'est l'autre qui devait sortir avant. Ok? Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zirak. Zirak qui veut dire lever comme un lever de soleil. Ok. Maintenant, écoutez le parallèle. Que représente une femme dans la Bible? L'Église. L'Église. Que représente une femme prostituée dans la Bible? L'Église apostate. Ok. Donc ici on a une femme prostituée qui représente une Église. Apostate. Est-ce que Tamar a toujours été une prostituée? Non. Donc c'est une femme qui s'est transformée en prostituée. N'est-ce pas? Donc c'est une femme qui était pure, qui est devenue une prostituée. Ok.
Est-ce que l'union entre Judas et Tamar est légitime? Est-ce que ça aurait dû se faire à un moment donné? Non. Vous rappelez, dans l'Apocalypse, on dit que la prostituée commet la fornication avec les rois de la terre, donc c'est des unions illégitimes. Ok. Donc si on assume ici que Tamar représente cette prostituée, la femme apostate, n'est-ce pas, et que d'elle sortent des jumeaux, mais il y a un jumeau qui tend la main, mais ce n'est pas lui qui sort en premier, il fait juste une brèche, et on attache le fil cramoisi. Les deux institutions jumelles que Dieu a données sont le mariage et le sabbat. Les contrefaçons, c'est les jumeaux qui naissent de la prostituée. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? On a des deux institutions entre la loi du dimanche et la loi homosexuelle. Lequel des deux est venu avant? La loi? La dimanche. Est-ce qu'on a la loi du dimanche aujourd'hui? Non. Non, on a la loi? Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1888? Ça a failli passer, n'est-ce pas? Ça, c'est la main qui sort. Et finalement, c'est rentré, mais c'est l'autre qui est sorti avant. C'est la loi homosexuelle qui est venue avant, même si c'est la loi du dimanche qui devait paraître en premier. Fait une brèche, on a forcé cette loi gay. C'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Vous avez vu, on commence dans un état, puis ensuite on force jusqu'à la Cour suprême. En l'espace de 10 ans, on transforme la coutume américaine pour forcer la loi gay. Et par la suite, Satan a le plan maintenant d'emmener l'autre, enfin qui est la loi du dimanche, qui signifie lever du soleil, Sunday. N'est-ce pas? Ça va. C'est ça que signifie Zara. Ok. Pensez à ceci maintenant. Si Tamar représente l'église chrétienne aux États-Unis qui s'est corrompue, parce qu'au début elle était pure, mais elle est devenue une prostituée, que représente Judas? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi qui emmène cette progéniture qui ne devait jamais avoir eu lieu? C'est quoi qui emmène la loi gay et la loi du dimanche? C'est quoi qui emmène ça? On l'a vu dans les exemples. La tromperie. C'était mon troisième point, tu me devances. La tromperie, oui, mais avant ça, il n'y aurait jamais eu de loi du dimanche s'il n'y avait pas eu... Oui, tout ça c'est juste. Mais dans les exemples que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y aurait jamais eu cette loi gay, il n'y aurait jamais eu la loi du dimanche, s'il n'y avait pas l'Église qui s'unit à l'État. Donc il n'y aurait jamais eu Pharès et Zara s'il n'y avait pas la prostituée qui s'unissait à Judas. Une union illégitime qui ne devait jamais avoir lieu. Est-ce que vous voyez? C'est qui ne devait jamais avoir lieu. C'est ça qui a pour fruit, n'est-ce pas, ces faux jumeaux-là, ces jumeaux qu'on n'était pas supposé avoir. Donc, Judas représente ce côté État des États-Unis qui ne devait jamais s'unir à l'Église. L'État et l'Église doivent rester deux choses distinctes. La combinaison des deux, ça donne toujours la persécution. Il y a une seule personne dans l'univers qui est capable de joindre État et Église sans que ça pose de problème, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus va revenir, Dieu, l'État, tout ce sera un. Mais c'est seulement lui qui peut gérer ça. Aucun être humain ne peut mélanger les deux et ne pas avoir de problème. Ok, qu'est-ce que Judas a donné à Tamar avant d'aller vers elle? Il a donné le sceau, il lui a donné le cordon et il lui a donné le bâton. Le sceau, sceau de Dieu. Le cordon dans la Bible, on dit les cordons, ça représente les commandements de Dieu. C'est ça que les sacrificateurs attachaient qui représentent les commandements de Dieu. Et le bâton, dans Ésaïe 11, verset 4, on dit que le bâton, la verge, ça représente la parole de Dieu. Donc avant que Judas puisse aller vers Tamar, il a dû renoncer au sceau de Dieu, il a dû renoncer au commandement de Dieu, il a dû renoncer à la parole de Dieu. L'État ne s'unit pas à l'Église sans se compromettre sur ces trois aspects, d'abord. On laisse tomber tout l'héritage que Dieu nous a donné, et là maintenant, l'union illégitime est possible, n'est-ce pas? Je ne peux pas être un homme marié dans l'église et aller faire une prostituée sans que j'ai d'abord renoncé à des principes dans mon esprit. Vous êtes d'accord? C'est ça, exactement. Donc, il a donné ces trois choses,
Et quand il est allé pour les récupérer, il s'est rendu compte de sa bêtise, c'était trop tard, les jumeaux sont déjà en route. La prophétie nous dit qu'à un moment donné, les États-Unis d'Amérique vont se rendre compte qu'ils n'auraient jamais dû s'unir à la papauté. Mais ce sera trop tard, ça aura déjà donné les fruits de la loi gay et de la loi du dimanche. Les jumeaux sont déjà en route. Et pour finir, on a dit que Judas a eu 3 enfants, n'est-ce pas? Il a eu Er, il a eu Onan, il a eu Shéla. Er, ça signifie prudent. Er, ça signifie prudent. Shéla, ça signifie force. Onan, ça signifie la force. Donc, Er, prudent. Onan, la force. Et Shéla, ça signifie une pétition, une requête. Une requête. Okay. Donc, les deux premiers enfants sont morts. Pas la prudence est partie, la force est partie, il reste juste la pétition. Au début, qu'est-ce qui faisait la force des États-Unis d'Amérique? C'était qu'ils séparaient l'Église et l'État. Et qu'est-ce qui faisait leur prudence? C'est qu'ils s'assuraient de ne pas répliquer le modèle qu'il y avait en Europe, c'est-à-dire la papauté à la tête. Et lorsqu'on a vu le pape qui vient s'adresser au Congrès américain, c'est là où tu vois qu'ils ont renoncé à leur prudence. Ils ont renoncé à ce qui faisait leur principe de force. Et non, il y a une requête, il y a une pétition. Tamar, elle a dit, je veux un mari et ça doit être Shéla. Dans la loi, ça doit être Shéla. C'est ça ma requête, c'est ça ma pétition. Sa requête ne lui a jamais été accordée. Et c'est pour ça qu'elle s'est transformée en prostituée. Il y a une requête, il y a quelque chose, il y a une demande qui n'a pas été satisfaite. Et c'est pour ça qu'elle s'est transformée en prostituée. Dieu avait une requête, il avait une demande qu'il a faite au peuple américain quand il a permis aux pionniers de venir ici. Il voulait que tous embrassent le message du retour de Jésus, le message adventiste qui est venu en 1844. C'était quelque chose pour toute la nation, c'était pas pour avoir juste une petite dénomination comme nous sur le côté. Et le rejet de cette requête, ça fait que tranquillement les États-Unis se transforment en église apostate, prostituée. Et pour finir avec ton point, ma soeur, Tamar, lorsqu'elle est venue en prostituée devant Judas, est-ce que Judas était au courant? Est-ce que Judas savait que c'était Tamar? Non. Donc c'était de la tromperie, déception. C'était quoi l'objectif de Tamar? Pourquoi est-ce qu'elle voulait que Judas vienne vers elle? Qu'est-ce qu'elle voulait? Postérité. Hmm? Postérité. Elle voulait des enfants. Est-ce que Judas était au courant de ça? Non. Donc c'est encore de là? Donc qui est-ce qui connaissait vraiment le plan? C'est Tamar. Mais Judas n'était pas au courant du plan. Lui, il pensait qu'il allait juste avoir une soirée incognito. N'est-ce pas? Regardez ma prophétie, c'est la même chose. La papauté qui vient avec tous ces encycliques et tout, eux, ils connaissent le plan. Mais les États-Unis qui viennent vers eux ne comprennent pas c'est quoi le vrai plan. N'est-ce pas? Ok. Que devons-nous faire? Comme Néhémie, nous devons travailler à restaurer ce qui a été détruit. On ne peut pas aller devant la Cour suprême et puis dire que vous devez annuler la loi, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais nous, dans nos vies personnelles ou dans l'exemple qu'on demande aux gens de reproduire, nous devons honorer le sabbat. Nous devons honorer le mariage, n'est-ce pas? Nous devons restaurer toutes les institutions d'évangélisation qui ont été perdues. Hein, l'école des prophètes, les sanatoriums, les maisons d'édition, nous devons nous impliquer dans toutes ces choses pour restaurer les institutions que Dieu a données. Nous devons faire un travail de restauration comme Néhémie. Que devons-nous faire d'autre? Nous devons avoir une préparation personnelle importante. Nous devons maîtriser en anglais, ils disent les 5 S, ça ne fonctionne pas en français là, mais voici les 5 S que nous devons maîtriser. Sabbat, sanctuaire, seconde venue de Jésus, état des morts, esprit de prophétie. On doit maîtriser toutes ces doctrines-là pour vraiment comprendre la parole de Dieu, pour vraiment être ancré dans la foi. Je termine avec ce verset, Matthieu 13, chapitre 4 à 6. C'est la parabole du semeur. Ça dit un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines.
Ok. La parabole est plus longue que ça, mais on s'arrête là parce que c'est là que c'est là notre objet d'étude. Ok. Donc le semeur, il va, il sème. Il y a celle qui tombe le long du chemin, et puis c'est, qui est-ce qui prend la semence? Les oiseaux. Le deuxième, ça tombe dans les chemins pierreux, puis qui est-ce qui prend la semence? Personne ne prend la semence. C'est quand le, si on dit, c'est quand le soleil? Quand le soleil se lève. Ok. Maintenant, lisons qu'est-ce que Jésus dit quand il interprète cette parabole. Toujours dans le même chapitre, mais un peu plus loin, voici ce que Jésus dit. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ok. Donc, si ça c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, que représente Satan qui enlève la parole? Il représente? Il représente les oiseaux. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Ok, bon. Ensuite, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation une persécution à cause de quoi? Il y trouve une occasion. Donc que représente la persécution et la tribulation? Ça représente le soleil qui se lève. Sunday worship. Est-ce que vous êtes avec moi? La grosse persécution qui arrive là, c'est le soleil qui se lève sur nous. C'est la loi du dimanche, c'est le Sunday worship. Lorsque ce soleil se lève, si vous n'êtes pas enraciné, vous allez sécher. Est-ce que tout le monde comprend le parallèle? J'ai trouvé intéressant, ça c'est moi qui fais un parallèle là, c'est pas biblique. Mais il y a un autre mouvement de jeunes énormes partout aux États-Unis qui veulent eux aussi implanter le Green New Deal. Et le nom de ce groupe, c'est The Sunrise Movement. Mais tu sais, c'est pas possible. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ça s'appelle The Sunrise Movement, le soleil qui se lève. Ils savent pas qu'ils sont en train de travailler pour emmener la loi du dimanche. Amener la perçue. Et pourtant, leurs revendications sont bonnes. Nous aussi, nous avons droit à de bons emplois. Nous aussi, nous avons droit à une planète préservée. Nous avons droit à un environnement vert. C'est ça, leurs revendications. Ils ne comprennent pas, comme on a dit, c'est seulement la prostituée qui comprend vraiment le plan. Les autres ne comprennent pas. Ok. Donc, frères et sœurs, en conclusion, oui, il y a toutes ces choses qui se passent. Dieu a donné deux institutions jumelles en Éden que nous avons jusqu'aujourd'hui. Satan les contrefait. Il a attaqué. Le mariage s'est déjà écroulé, c'est déjà tombé. Et la prochaine, c'est celle du sabbat. N'est-ce pas? Soyons des réparateurs de brèches comme Néhémie, puis soyons enracinés dans la parole de Dieu pour que lorsque le soleil se lève, ce n'ait pas d'impact sur notre foi. Amen. Amen. Comment la tête pour la prière? Éternel Père, notre Dieu, tu as infiniment de moyens de nous parler, Seigneur, et de nous aider à nous préparer pour le temps de la fin et puis pour la préparation quotidienne. Aide-nous à nous sanctifier, Seigneur, pour être de ceux qui donneront le grand cri, pour être de ceux qui aideront ce monde à se réveiller. Seigneur, lorsque des jumeaux naissent, il n'y a pas 150 ans, Seigneur, entre la naissance d'un jumeau et de son frère. Les choses se passent rapidement lorsque l'accouchement est là. Aide-nous à comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et à rester en mode veille. Merci pour tout. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus.